sommes venus voir ta dernière trouvaille. Oh, entrez, entrez. Un miroir? Oui, mais regardez bien, oui, oui. Oh. Oh. Je peux essayer? Mais oui, vas-y. Qui est-ce? Oh, c'est mon nouvel ami. Viens là, petit canard. Viens, Bourdinosaurus. Oh, tu es gentil. Il est très mignon. Mais d'où est-ce qu'il vient? Je ne sais pas. Je l'ai trouvé devant la porte de mon labo. Je pense qu'il doit être perdu. Petit canard, peux-tu nous dire d'où tu viens? Oh, je ne parle pas le canard. Non, mais il peut rester avec moi, oui, oui. Il a l'air de se plaire ici. Oui, mais il a forcément une maison quelque part. Et une famille qui doit l'attendre. Oui, vous avez sûrement raison. Il faut que je mène l'enquête. Comment ramener le petit canard chez lui? Chouette, une nouvelle enquête. Réfléchissons. Cette enquête, l'affaire du petit canard perdu. Que vas-tu faire en premier, oui, oui? Eh bien, je ne parle pas le canard. Alors, je vais devoir découvrir tout seul où il habite. Peut-être dans une mare? Viens, par ici, petit canard, continue. Très bien. Continue. Allez, viens, on va t'emmener chez Pat-Pat, elle a une mare dans son jardin. Mais on dirait vraiment qu'il veut rester avec moi, oui, oui. Tu ne peux pas rester ici, petit canard. Allez, viens. Oh, je trouverai jamais où il habite s'il ne vient pas avec nous. Tiens, prends ça. Je l'ai faite pour lui, elle est toute douillette. Bonne idée. Viens, petit canard, regarde, j'ai une jolie boîte pour toi. Ah, bien joué, Dinosaurus. Allez, viens, Zizi, on y va. Bonne chance, oui, oui. Au revoir. Oh, au revoir, petit canard. Dinosaurus, montre-moi donc ce que ton miroir peut faire d'autre. Allons jeter un coup d'œil à la mare. Oui. Oh. Oui, oui. Pat-pat. Oh, qu'est-ce que tu as là? Toi, ce canard? Non, je ne pense pas, regarde. Les miens sont très différents de cet adorable petit canard. Quoi, quoi? Ah oui. Reviens. Il n'arrête pas de faire ça. Si ce n'est pas dans la mare, où peut bien habiter ce petit canard? Pas à Bricaville. Les canards n'aiment pas les villes. À Cap Canyon? Ce serait un peu effrayant pour un petit canard, non? Oh oui,
Et pourquoi pas la ferme? Tom le fermier a beaucoup d'animaux. Il a peut-être aussi des canards. C'est une super méga bonne idée. En route, vroom. Au revoir. Zim Zim, regarde. C'est le chat de Tom le fermier. Je crois qu'il a besoin d'aide. Bonjour, petit chat. Qu'est-ce que tu as fait? L'as-tu deviné? Voici sa maman et sa sœur. Bonjour les amis. Je sais exactement où est votre petit canard. Pas vrai, Zim Zim? Nous l'avons trouvé. Il est juste là, dans la boîte. Il est parti. On doit refaire le chemin à l'envers et chercher le petit canard le long de la route. Ne vous inquiétez pas, maman canard. On va vous le ramener très vite. Et je ne vois rien du tout. Et toi? Hé! Hey! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que Dinosaurus avait mis dans la boîte du petit canard. Oui! J'ai compris. Le petit canard n'arrête pas de retourner vers le dino labo. Peut-être qu'il veut vraiment rester avec Dinosaurus finalement. Coucou, Dinosaurus. Tu vois, il est revenu chez moi, oui, oui. Je crois qu'il veut rester ici pour toujours. Effectivement, il a l'air. As-tu découvert d'où il vient? Il habite à la ferme avec sa famille. Et il le cherche partout. Oh. Alors il faut que tu le ramènes chez lui. Oh. Allez, viens, petit canard. Il ne veut vraiment pas quitter le labo. Mais pourquoi? Et pourquoi aimes-tu autant ce miroir, petit canard? Quand il se regarde dedans, il fait un coin-coin spécial. Oh, peut-être qu'il croit que le canard dans le miroir est sa maman. Regardez, sa famille lui manque, comme il manque à sa famille. Oh. Viens, Zim Zim, j'en ai pas pour longtemps. Dinosaurus, Potiron, on est de retour. Regardez comme ils sont contents. Maintenant, on n'aura plus de problème pour le ramener à la ferme. Merci, Oui Oui et Zim Zim. Dis, Tom,
Tu veux bien que Dinosaurus vienne les voir à la ferme de temps en temps? Bien sûr, elle peut venir aussi souvent qu'elle le veut. Oh, merci Tom, ça me ferait très plaisir. Bravo mon garçon, maintenant le petit canard peut rentrer chez lui. Merci. Après avoir découvert que le petit canard cherchait sa famille, il m'a suffi de la ramener ici. Maintenant, plutôt que de se regarder dans le miroir, il peut rentrer à la maison avec elle. L'affaire du petit canard perdu est résolue. Alors, nous avons trouvé tous les indices. Il n'y a plus de mystère. Affaire...